Je suis Jimmy Adjoviboko, ancien joueur du Racing Club de Lens. Souvenir, souvenir. C'est à Compiègne qu'on a retrouvé l'ex-Lensois, fidèle à ses dreadlocks. Je les ai depuis 82. Et voilà. Et en plus, si je les retire, ma femme me quitte. Donc, non, je plaisante. Sourire et enthousiasme, et pour cause, après avoir créé l'association Jambar, une école de foot au Sénégal, d'où sont sortis Idrissa Gueye ou encore Pape Soaré, Jimmy Adjoviboko s'est lancé dans une nouvelle aventure. On a créé avec mon frère Guy un self-garage. C'est un garage où les gens peuvent réparer eux-mêmes leur véhicule, accompagnés par un mécanicien. On essaye de mettre les gens dans les meilleures conditions pour entretenir à moindre coût leur véhicule. Ce nouveau projet qui fonctionne illustre la reconversion réussie de l'ex-Lensois. Mais pour en arriver là, Jimmy Adjoviboko a dû retourner sur les bancs de l'école. Et j'avais fait des études déjà auparavant. Et à 35 ans, j'ai repris mes études. Donc, je suis diplômé de l'École supérieure de commerce de Lille. Malgré sa nouvelle vie d'infatigable entrepreneur, l'ex-Lensois est resté fidèle à son club de cœur. Un peu triste de voir Lens en Ligue 2, alors que sa place est en Ligue 1. Mais je reste toujours très, très proche du Racing Club de Lens. On y joue tous les jeudis soirs avec les anciens de Lens. Donc, je me sens toujours Lensois, je crois jusqu'à la fin de mes jours. Souvenir. Un grand merci à Jimmy Adjoviboko. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre conversion, même si vous avez encore 10 ans de carrière devant vous, Riyad? Au moins. Non, je pense que je resterai dans le milieu du football parce que voilà, c'est vraiment ce que j'aime quand je me